Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Serge Liado n'étant pas là aujourd'hui, on a un peu avancé la chronique de Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme ? J'ai à peine le temps de déballer. Voici, c'est nouveau, ça vient de sortir, des petites soupes froides. Ça s'appelle The Soup. Et c'est vachement Alors c'est vraiment con d'avoir mis ça dans un sac isotherme. Je pensais au moins qu'elles étaient chaudes. Ben non, elles sont glacées. Parce que l'isotherme, ça peut garder le froid et le chaud. Pour garder le froid par le temps qu'il fait, c'est pas la peine de vous mettre ça. Mais au contraire, les beaux jours reviennent. Vous avez vu, on va avoir un week-end super ensoleillé. C'est le moment de petit pois kiwi, vous m'avez donné. Petit pois kiwi, c'est étrange. Et il y a carotte à l'orange. Faut secouer d'abord, j'imagine. C'est des petites boîtes métalliques. C'est vachement malin. Ça ne fait que 25 centilitres. 17 centilitres. Ça gicle pas quand on ouvre. Non, j'aurais promis. C'est vachement malin. Et c'est une façon nouvelle, pourquoi pas, de prendre une petite soupe sur le pouce. Ça fait comme une sorte de gourde, tu vois, le truc en métal. Tu peux goûter un truc normal. Tiens, alors, il y a tomate à l'andalouse. Voilà, dans la catégorie. Non, je veux pas du sucré. Les tomates sont pas épluchées, ça c'est pas bien. Bon, alors j'en ai une autre à vous proposer. C'est Captain Cook qui fait ça. Et c'est couillu. Soupe froide, sardines, carottes et cumin. Enfin. Non mais ça c'est un truc c'est vachement marrant, pomme de terre. C'est marrant comme vous êtes néophobe, comme vous êtes réactionnaire gustatif. Ça s'appelle sardine froide. Réactionnaire gustatif. Je suis réactionnaire gustatif, j'assume. Il y a l'imaginaire quand même, Jérôme. Tu vois quand tu dis quand tu donnes des noms d'ingrédients comme ça. Pourquoi ça s'appelle The Soup? Parce que ça fait chic et snob. C'est pas français? Si, non, c'est français. Oui, c'est pourquoi ça s'appelle The Soup si c'est français? C'est pour faire genre. Honnêtement, ça le fait que la soupe. Voilà. C'est vrai. Ça sera un peu plus bon. Mais pourquoi pas alors? La soupe. Alors, The Soup. Parce que là, on sait pas de quoi on parle. Ça sera Est-ce vendu. Est-ce que tu veux un peu de The Soup? The Soup, ça fait pour la douche, quoi. Tu vois, ça fait Oui. Ça sera vendu en exclusivité chez Intermarché. T'as pas parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu, un bon truc à manger. Une pizza ou. Les petites paillolines. Les petites paillolines. C'est goûter aussi, ça, c'est pas mal. Les paillolines. C'est en fait des petites baguettes qui font 10 cm de long, assez larges comme ça. Ça remplace le petit snacking et c'est fait avec de la pâte feuilletée. Et c'est Michel et Augustin encore qui font ça. Les trublions du goût. C'est un peu cher. Michel et Augustin, les trublions du goût. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je suis trublion du goût. Pierre, vous ne seriez pas un peu trublion du goût, vous ? Excusez-moi, mais cette pièce, du coup, dégage des odeurs extrêmement dérangeantes. Ça ne sent pas que la savonnette. Non, sérieusement, ce que fait Intermarché est marrant. C'est sucré, il y en a un qui est sucré. Mais pourquoi c'est sucré? Moi, je trempais dans ma soupe de poisson. Cumin, pomme de terre. C'est à la vanille naturelle, quand même. Hein. Ouais. C'est bon. Hein, Michel et Augustin, ils font au beurre frais, en plus. C'est bon ce qu'ils font, Michel et Augustin. C'est oublions du goût, comme si c'est sous atmosphère contrôlée, ça a une DLC. Mais il ne faut pas tremper dans The Soup, je ne vous conseille pas. Ah non, pas dans The Soup. Parce qu'il vaut mieux tremper ça dans le café confirmé. Quand vous la verrez, la soupe Captain Cook, prenez-la, parce que vraiment, c'est couillu, je veux faire une soupe. C'est pas la même soupe que The Soup. J'ai envie de manger une soupe couillue. Non, moi non plus. C'est pas ce que je cherche, c'est une soupe qu'elle soit couillue. Tu vois. Non, tu sais, viens à la maison, la soupe est couillue. Non, ça. Une soupe couillue, une salade de rognon et un fromage aux noix. Non, enfin, franchement, écoutez. Non, mais c'est osé, c'est bien de faire ça. C'est enfin des soupes qui ont du goût. Quoi d'autre? C'est bientôt Noël, j'ai des cadeaux. C'est couillu, hein. J'ai des super cadeaux de Noël à vous proposer. Non. Le premier, c'est une petite voiture, grande comme les petites Hot Wheels. Vous voyez les petites bagnoles comme ça? Ouais. Avec des circuits, tu sais, on les fait comme ça fait des loopings, monte à descend et tout, on les lance, on fait les courses, puis ça sort de la piste et tout et tout. Sauf que ces petites voitures qui ont la même taille que les petites voitures habituelles, elles sont avec des caméras intégrée. Ça veut dire que tu la mets en marche, tu la branches à l'ordinateur pour que ça, parce qu'il y a besoin de piles, ça se recharge par la clé USB. Quand c'est rechargé, tu mets en marche la petite caméra, c'est vachement simple, et après tu filmes. Et c'est vachement bien. C'est dangereux. Ça veut dire que t'es môme. Tu vas dans les vestiaires des filles. Ouais. La caméra est fixe. Tu leur mets sur la suite, tu dis regarde la petite bête qui monte. Non, la caméra là, toi, elle est fixe. Toi, tu vois tout là. Mais c'est vachement. Et là, tu t'aperçois qu'il y en a une, elle est couillue. Et j'ai un autre truc, c'est Playmobil. Ah, ils ont besoin de Playmobil. Fait une grosse voiture comme ça, qui fait 20 cm de long, taille Playmobil. On met les bonhommes Playmobil dedans. J'ouvre. Et là, dedans, je mets quoi? À la place du petit bonhomme Playmobil, je mets. C'est gros comme une boîte d'allumettes. C'est une caméra
aussi. Voiture radio-commandée, caméra à l'intérieur. Moi, de loin, j'ai quoi ? Attention maintenant, hein. De loin, j'ai quoi ? Ouais, t'envoies la voiture dans leur la radio-commande. Tu sais. Non seulement c'est la radio-commande, mais en plus, à côté, il y a l'écran. Donc ça veut dire que, un, je commande la voiture... avant, arrière, et je vois ce qui se passe. Regarde. Non, non, c'est impressionnant. C'est vachement bien. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme. Ah oui. Juste, je peux faire une page de pub. Ah, oh, bah. Vous venez d'en faire pendant 8 minutes. C'est une vraie, c'est une vraie. T'achètes une bouteille d'huile de sieur. Il y a un litre d'huile qui part dans la Corne de l'Afrique. Le sieur a réagi très vite. Il y a 4 millions d'enfants qui sont en grave danger de malnutrition. Il y a 7 millions d'hommes qui sont avec une grave pénurie. Il y a la faim partout, en Somalie, Éthiopie, Djibouti. On exagère beaucoup. C'est un truc tout bête. T'achètes une bouteille d'huile de sieur, il y a un litre qui part là-bas. Ils ont déjà envoyé 50 tonnes d'huile. C'est un truc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire grand-chose si on peut être consomme-acteur. Soyons consomme-acteur et achetons responsable. Absolument. D'accord, okay. C'est le sieur. C'est le sieur. Pas d'erreur alors. Merci.